Salut à tous ces tribus. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Sirenhead Awakening. Alors c'est un jeu basé sur une creepypasta il me semble. Enfin c'est j'ai déjà vu ça sur d'autres chaînes de YouTube. En général les jeux ça ressemble vachement à Slender ou des choses qui ont déjà été faites quoi. Mais on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti. Commencer par le normal avant de faire le hard. On va déjà voir si je suis bon avec le normal. Surtout que ça a la réputation d'être assez compliqué à chaque fois. D'accord, donc apparemment je dois trouver des parties de la voiture. Donc, je dois trouver du carburant, batterie, de l'huile et des bougies, je dirais. Et des notes. La question est-ce qu'on est obligé d'avoir les notes? Il y a le grillage là. Pour gagner aussi, ou est-ce qu'on peut gagner juste en prenant les objets? On a besoin. En tout cas, la vache, il est bien sombre. Est-ce que j'ai quelque chose à trouver? C'est la première fois que je fais un Siren Head. J'espère que ça va aller. D'accord, donc on a trouvé les bougies. Apparemment je peux fermer la porte. Je sais pas si ça sert à grand chose mais... Non elle était par où la voiture? Elle est là-bas. Je sais pas du tout si c'est un système d'endurance ou autre comme ça, parce que j'entends mon bonhomme qui est soufflé quand même. Parce qu'on entend un truc marcher. Espèce de tour électrique. Je sais pas si je peux une note. Ouais, je trouve une langue. je peux pas vous cacher.
J'entends un truc qui arrive. Enfin, un truc. Je pense qu'en l'occurrence c'était Sirène N, mais... Par contre, si on est éteint, hein, que dalle. Je ferme les portes. Écoutez, on va aller par là-bas. Je sais pas s'il y a quelque chose, mais... Voilà, si je vais là-dedans, on va pouvoir me choper. Y'a rien du tout. Un carton, non. Oh. Il est juste devant. Je vais essayer d'aller dans le bunker avant qu'il me chope. Pixelized. Heureusement qu'il y a le bunker, ce sont... Je sais pas s'il me repère de loin ou pas. Ah, il revient. Je suis à couvert tant que je suis en dessous, donc je reste en dessous pour l'instant. Le temps qu'il se décide à se barrer. Je vois le grillage, donc ça sert à rien, je vais plutôt aller par là-bas. Campement et tout. Il y a un truc là. Il arrive encore. Je crois qu'on est vers le bunker. Je crois que c'est en sécurité, je pense. J'ai bien fait, apparemment il était pas loin. Là je sais pas, je sais pas du tout où il est. Ok, je m'en vais. Oula, il court vite là. Ah, c'est bon. Bah s'il court vite comme ça au bout de quelque chose... Je sais pas, c'est bon pour traduire, hein, mais je le mets pas bloqué. Voilà, c'est un petit peu embêtant quand même. Est-ce que je peux sortir de l'autre côté?
c'est un peu relou quand même. Avec ses palmes en guise de main. Et depuis. Je vais prendre la lumière. Peut-être que c'est la lumière qui. Qui l'attire. C'est bon, ils sont là. Ouais, ils sont. Il fait 10 mètres derrière, après, là. Bon, je pense pas que je reste là éternellement, mais bon. Ça fait un peu chier si au bout de 2 objets, déjà, il te spawn kill. J'ai éteint ma lampe, c'est ça qui fait qu'il m'a moins vu. Sauf que j'ai des grosses conneries, mais. J'essaie de me rassurer comme je peux. Je vais essayer de regarder la lampe éteinte. Autant que. Ah. Bon bah voilà. je pense qu'il doit se téléporter des fois. Parce que là, il m'a chopé direct. C'est reparti. Mon kiki. Ah, ça a l'air assez compliqué quand même, hein, parce que. Il reste bien à côté de toi dès que t'as chopé un item, quoi. Donc, Puis s'il faut en choper 4 comme ça, j'avoue que ça va être un peu compliqué quand même. Je pense qu'il y a rien ici. C'est dommage d'ailleurs qu'on peut pas se mettre dans les. Dans les maisons. Il doit bien y avoir un item. Je passe devant, j'ai même pas vu. Ouais, c'est où j'étais déjà. On a vite de se perdre quand même là-dedans. Je sais déjà même plus où est la voiture. Donc. J'essaie de courir. Hein. Si je peux courir à l'infini ou pas. Ils sont là toujours au même endroit apparemment les items. Et où est la voiture? Elle est là-bas aussi comme tout à l'heure? Ah oui. Mais je crois que Siren Head, je crois. Ok, j'ai entendu. Je peux pas courir. Hein. Je retourne dans la maison de tout à l'heure. Ah bah ça m'arrange pas parce qu'il y a aucun endroit où se cacher. Ah bah. On court. On espère retrouver le bunker, je suis même pas sûr d'où il est. Là-bas. Vite, vite. T'arrêtes pas. J'ai l'impression qu'il me voit quand même de moins loin. Sans la lumière. Et le bus qui n'a rien du tout. Comme d'habitude. J'ai l'impression que ça sert juste à. À te protéger. Ou... Ce qui m'a bloqué, c'était bizarre. J'ai l'impression que ça sert juste à te protéger au cas où si tu te fais pour chasser. Il est pas loin. Il est où ? Mais il était vraiment pas loin. Non, ça n'était pas ça tout à l'heure. Bah forcément. Je me suis dit, est-ce qu'il me voit tout le temps dedans ou pas, mais apparemment oui. C'est un petit peu peur. Tu me chopes pas à travers quand même. Encore? Mais.
Ah mais là ils courent vite, quand même très vite. Ouf. Putain, je suis en mode normal hein. J'imagine même pas en mode hard, le truc c'est... C'est plus sirène head, c'est sirène guépard. Bon bah je suis mort. Je suis caché, je suis en dessous de l'arrêt de bus. Apparemment non. Bon allez, petite dernière. Si je n'arrive pas, j'arrête parce que... J'avoue que ça a l'air un peu compliqué quand même. Je vous laisserai essayer, je mettrai... Je mettrai le lien du jeu... Je mettrai le lien du jeu, c'est sur Steam. Dans la description, moi j'étais en train de chercher le mot. Vu le bruit, je pense qu'il va spawn. Ce qui fait exactement le même bruit que... Quand je prends un item. Item voiture, je prends. Ah bah si, il spawn. Ah. Ça, il m'a pas vu. Je sais même pas comment il fait pour me voir, parce qu'il y a des... Des enceintes en guise de tête, pardon. Chose quand j'éteins la lumière, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On prend et on retourne dans le wagon. Et on va bon. Ah, bon, bah, je suis mort. Salut. Un peu trop dur. Bon, tant pis. J'aurais pas fini celui-là. Peut-être que je devrais essayer après m'être entraîné un petit peu. Parce que là, franchement, j'arrive même pas à trouver tous les items. Donc, bon, bah, j'espère que ça vous aura quand même plu. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et... Salut!